Eh bien salut tout le monde, c'est Mister V-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Days Gone. Et nous en sommes à l'épisode 2 comme d'habitude. Mettez tout cela en 1080p ou plus, évidemment en 2K si vous le pouvez. Prenez des écouteurs, un petit casque, toujours sympa, plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire, un petit truc à manger, on est parti pour plus d'une demi-heure ensemble. Et l'épisode 1 que vous avez propulsé en top tendance YouTube. Merci du fond du cœur, merci à tous. Merci à ceux qui mettent un commentaire et un like, les gars. Évidemment, et les femmes, nous sommes en 2019. Et tout le monde, les non-binaires, les animaux, les objets, tous ceux qui me regardent actuellement, merci encore une fois à vous. Et on va se retrouver pour une vidéo de plus d'une demi-heure ensemble dans ce monde post-apocalyptique envahi de divers zombies. Pour l'instant, on a vu deux types de zombies, les classiques. Et des zombies à petite taille, on dirait des femmes ou des... Je sais pas exactement, je préfère pas m'aventurer. Quoi qu'il arrive, on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est parti. Nous sommes donc de retour exactement là où on s'était arrêté. J'ai toujours pas affiché la carte. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le casier d'armes. Je pense qu'il y a des armes de l'édition précommandée. À voir, voilà, il y a une arme de poing disponible, c'est plutôt cool. Ah mais non, ça c'est celle que j'ai déjà créée. Et il y a une arme spéciale, c'est plutôt cool. Et l'arbalète, ça par contre, les gars, mon équipe, pratique pour agir avec discrétion. Sa polyvalence est renforcée par la variété des carreaux qu'il est possible de fabriquer. Le temps de rechargement de l'arbalète est plus long, forcément, parce qu'il faut mettre flèche par flèche, pas trop le droit à l'erreur. On a une caisse de mune, on va regarder un petit peu. Voilà, on se régale. On se régale, on prend tout, hein. On prend tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, niveau planque, bon, pour l'instant, c'est le début du jeu. Je suppose que ça va s'agrandir. On est pas mal, hein. On a l'air plutôt bien placé par ici. Hop, c'est pas ça, hein. Je me suis gouré de tout, je suis désolé. Hop, j'allume tout, hein. J'allume lampe torche, je mets les jumelles. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Pourquoi je suis accroupi d'où Jésus? Voilà, réveille-toi un petit peu, mon petit Deacon. D'accord, hop, y a rien, on sait jamais, il y avait peut-être un secret, les gars, un coffre incroyable ou autre. On est donc parti pour la suite. L'état de ton bras va s'aggraver. De notre aventure. Fais chier. Oh. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Ok. J'ai besoin de ferraille. D'accord, bon bah ça c'est fait. On a ramassé de la ferraille, il va falloir trouver de quoi soigner le frérot 12 heures, quoi. Dépêchez-vous de passer le portail de la planque pour empêcher les ennemis d'entrer. Non mais t'es sérieux? Va falloir que je passe en express. Incroyable. Ok, je fouille tout, hein. Je fouille tout. Appuyez sur L3 pour sprinter, mais surveillez votre endurance. Aucun souci là-dessus. Ok, l'endurance est donc la barre bleue. En même temps, on découvre évidemment l'ATH. L'œil, ça veut dire que je suis vu. Forcément, je ne suis pas accroupi. Et le haut-parleur, ça veut dire que je fais du bruit. Pas quand je parle, même si on dirait, mais juste quand je marche. Très bien. Ça nous en dira un petit peu plus dans les phases d'infiltration. Vous savez à quel point je suis un monstre dans les phases d'infiltration, évidemment. Chiffon, c'est fait. Oh ! Un soin, évidemment. Et une bouteille de bière. Ça, c'est plutôt cool. On va chercher la moto. Elle est où, la moto ? Ok, je sais pas du tout. Ah, elle est là. Bah, elle m'attendait devant, impeccable. Je vais pas prendre la moto de Boozer. Ah ! Fabrication de carreaux. Vous pouvez fabriquer vos propres carreaux d'arbalète à partir du bois de jeunes cèdres et de ferraille. Associer les deux dans le menu de survie en développant la catégorie arbalète. Waouh. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Très bien. Bon. Ma moto a été... Oh, de merde. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureté près de la planque. What? Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Ok, les gars. Ok, ok, c'est la merde. On va essayer de fabriquer quand même des carreaux, ça peut être sympa. Un. Ok. Eh, les gars, un carreau, c'est déjà pas mal, hein. Encore une fois. Vaut mieux ça que se retrouver sur le carreau. Excellent, putain. C'est de l'humour post-apocalyptique, ok. Y'a que moi qui me comprends. Je peux passer par ici. Voiture de flic. Toujours très bon signe, les voitures de flic. Bien évidemment que c'est toujours un très bon signe. On ouvre tout ça. Hop, je crochette. Ah, il y avait un défaut dans ces modèles-là. Ah ! Munition max. Terrible nouvelle. Ok. J'aurais préféré me faire un petit peu plus de place. Je me demande s'il va y avoir, pardon, de la chasse et tutti quanti. J'adore cette expression. Ah, une voiture ! Vous le savez. On va fouiller, évidemment. Il n'y a pas de bois, il n'y a rien, là. Ah, ça va être compliqué, ça, de fouiller. Et, ah, il y a quelque chose devant. Vas-y, régale-moi. De la ferraille, peut-être ? Ah !
munitions mag. Mais putain, je suis full stuff, je suis déjà un monstre. Je suis peut-être le boss final du jeu. Quoi? Des drifters dans la montagne. Quand vous vous approchez furtivement d'un ennemi, accroupissez-vous. Très bien. Ok. Marquage furtif. Activez les jumelles avec la flèche du haut et appuyez sur R2 pour marquer un ennemi. Vous pourrez ainsi suivre ses déplacements. Le niveau d'alerte des ennemis humains est marqué... est indiqué. Très bien. Marqué est indiqué, pardon. Je ne sais pas parler, ça arrive les gars. Hop, et de 1. Hop, et de 2. On est pas mal. Il est temps de vous montrer ma furtivité à grande épreuve. J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes? Oh putain. Ils sont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe des terres. Hein? Tu sais qu'ils sont armés? L'un des deux a l'air salement amoché. Ok. Oh. Ouais, allez vous faire foutre. Très bien. On peut plus fabriquer. Capacité max. C'est pas grave. Tant mieux. Ça veut dire que je suis blindé. On va reprendre encore un tout petit peu de bois. Dites-moi que c'est tout. Oh putain, je vois encore un gars. Les gars, ils sont très nombreux là déjà pour un premier camp en vrai. Hein. Laissez d'y aller doucement. Ouh. Ok. Oh. Frérot. Une loupe. J'ai toujours rêvé d'avoir une loupe. Non, pas du tout. Besoin. Ok. Il y a un truc que je me demande, les gars. Ah, changement d'arme rapide. Appuyez sur triangle pour prendre votre arme principale. Maintenez triangle pour accéder à votre arme spéciale. Voilà. Ok, ok. On a quelque chose ici. On reviendra. Oh, des soins. Pas de soucis. Faut tous les tuer, je suppose. Oh! Damn! Très violent, quand même, hein. Ah, mais c'est surprenant. C'est surprenant. Oh, c'est toujours un plaisir, mais enfin. Qu'est-ce qu'on a là? Badge, j'ai déjà, les amis. Attendez, vous me prenez pour qui? Ok. Visée et courbe. Les carreaux d'arbalète sont soumis à la gravité et se dirigent vers leur cible en courbe. Pour atteindre une cible lointaine, visez légèrement au-dessus d'elle. Jusqu'ici, il n'y a rien de plus logique. Mais je connais pas encore... Ok. Je suis blessé. C'est pas trop tard. Saloperie. C'est qui? Putain. À ce point-là, je pensais pas. Hein. Ah! La con! Merde, presque à court. Pourquoi tu peux pas écouter? Wow! It's real! Vous avez vu tout ce que j'ai pris? De quoi? De quoi on n'en parle plus? Damn! Ok, ça c'est intéressant. Ça me plaît, va y avoir de la difficulté, ça me plaît. Beaucoup! Bon, c'est fort problématique ce qui s'est passé. Et j'en suis fort navré. Donc on va refaire ça en silencieux. Effectivement, c'est soumis à la gravité. C'était pas un mensonge. Ah, c'est toujours impressionnant. Ouais. Ah putain, c'était elle qui m'a tué en plus. J'ai encore du mal avec les touches, hein. Ok. Je te prends ça. Oh la vache. Vraiment, ça va pas être évident. On va encore essayer d'utiliser l'arbalète. Je connais pas encore Je connais pas encore bien la courbe, justement. Ouais, je me trouve des excuses, il est vrai. Hop, on va fouiller quand même. Ah, il a un petit Glock. Ok, il y a lui. On descend. Ou alors on fait par la gauche, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vous posez trop de questions derrière votre écran. Ah, vous écoutez, vous avez tout fait, tout vécu, putain. Alors, elle attend par contre. Lui, il va prendre sa part.
Waouh, je rigole, frère. Ok, c'est très intéressant ce qui se passe là. Mon cœur bat, incroyable. J'ai donc un cœur. Je suis un monstre. J'ai fait le coup de la corde à linge. Hop, on fouille. Hein. Ok, attendez, mais j'ai besoin de me soigner là, en fait, totalement. Hein, mais c'est pour ça que je galérais. C'est quoi? C'est rien. Hop, voilà, tabac entendu, hein. C'est une otite, hein. Ça a 3 mg dans ses félamines, on n'en parle plus. Ok, pour l'instant, je suis monstrueux. Il en reste plus qu'un. Par contre, ils entendent très très bien. Faut vraiment venir en mode discret. Et c'est le dernier. Et on finit en beauté. Voilà! La carotide, on adore. Bon! C'était le dernier. Eh? Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Aucun souci en vrai. Aucun souci. Enfoiré. Approchez pas du mont O'Leary. On va tout fouiller, évidemment. J'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Oh, saloperie de mutant. Les grouilleurs sont sensibles à la lumière. Très bien, j'ai pas eu le temps. Oh, damn. Ok, ils ont l'air aveugles. Ah non, mais il y en a vraiment partout. Hop, on va fouiller ça. On sait jamais, ça peut être utile. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Ok. C'est plutôt réaliste en vrai, hein. Hop, du bois. Enfin, des feuilles. Enfin, ce que tu veux, quoi. C'est plutôt réaliste. Et ça fait plaisir. Le mauvais temps peut affecter la vision et l'audition de vos ennemis, ainsi que l'état des routes. Non, c'est incroyable! La météo joue à ce point, dans le... C'est stylé! On va voir. Putain, il manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi? Il faut toujours qu'il pleuve. On va voir ce que ça va donner. Jusqu'ici, toujours surpris, pour être très honnête avec vous. Début d'épisode 2 et agréable surprise. Ça a pu être loin. Ok, on va passer tranquillement là-haut, je pense. Ça me paraît être le plus optimisé. On va courir un peu. Oh, damn. Je peux grimper ça, par exemple? Non. Je peux pas, très bien. Ok, on back. Là, je vois pas comment passer, en vrai. Oh là là, la pression! J'ai sorti mon pistolet, oh, boîte de conserve. Je dois plus être loin. T'inquiète, on n'est pas loin. Ok. Hey, merde! Ok. Moi les primes. Ok. C'est vraiment pas évident, les gars. Ok. Je crois que je suis passé. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passé? On bombarde. C'était pas évident, honnêtement c'était pas évident. Voilà, j'y suis. C'est là que je vais laisser. J'espère que ça va pas être la merde comme ça à chaque mission. Oh non, déconnez les gars.
pris ma bécane. Qui m'a volé ma bécane? Putain! Chier, Copland! Hey! Tu viens du camp de Copland? Oh, où est passée ma moto? Hey! Arrête-toi, putain de merde! Quoi? J'ai pas piqué ta moto, mec! Je te jure! Quoi? Je vais pas te buter! Arrête-toi, bordel! Oh, bon, je fais quoi? Je fais quoi comme ça? Parle à Copland! Moi, je suis au courant de rien! Hey! Faut pas lui tirer dessus! Je veux juste ma bécane! J'ai rien fait, moi! Mais viens là, okay, le débile! Là, je vais... Oh putain, Durant, c'est épuisé, je pourrais tirer! Loser, t'es là? Ouais, Dick, t'as retrouvé ta moto? Ah ah! Oh, les hommes de Copland ont mis la main dessus! Je me dirige vers son camp! Terminé! Ok, c'est la merde! Oh putain, y a pas spécialement d'aide à la visée! Oh, ça va être terrible, hein! Je vous le dis, les amis, ça va être terrible! Oh la vache! Ok, c'est pas mal, ça me plaît. On va attendre que l'endurance se récupère. Nouveau camp! Pour toujours plus de plaisir. Oui, bah vas-y, bah enferme-toi, hésite pas. Ok. C'est John, c'est toi? Un fils de pute a piqué ma moto! Je suis pas au courant. Tu devrais parler à Mali. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Très bien. Trouvez Mani. Ok, Mani. Sympa ici, hein. Salut, Mani. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Mani, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Mani. Ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière et... Dick, faut qu'on parle. Une rabuge, on dirait. Ouais, t'inquiète qu'on va parler, mon pote. Hein. T'inquiète qu'on va parler. Hein. Dialogue optionnel, on peut le passer, c'est pas mal du tout. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. Très bien. Bon, on va continuer de le suivre. Bon, on va pas le passer, ça serait dommage. Mais quand on manque de vivre, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes en pénurie? On pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Et sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. Une cachette. Sans s'en branle, frérot. Hein. Pierre à sel, et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi, la Constitution des États-Unis. Hop, j'ai mis un coup de pression. Hein. Vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. Ok, tu m'emmènes où comme ça? J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais?
Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après Tuck, il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick, récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi? Là, celle-ci. Je vais t'interdire de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp? Commence par me rendre service. Poup. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. D'accord, donc les drifters, c'est un peu des vagabondeurs. Et c'est un petit peu les méchants. Évidemment, ils ont des avant-postes un peu partout. Donc on va devoir les arracher, en arracher un maximum. J'ai toujours pas regardé la carte, les gars. Ah, mais on se garde un max de surprises, en fait. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc on va quitter ce camp. Direction les drifters qui doivent être pas très loin, je pense. Sinon, ils m'auraient pas demandé d'y aller à Yep. Et puis, on va s'en occuper. Livraison. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Collecter des primes. Vous pouvez récupérer puis livrer des oreilles de mutants aux agents de primes des camps pour gagner en confiance et crédit. Chaque type de mutant rapporte des récompenses différentes. Ah! Salut. Ah, mais c'est pas mal. D'accord. Donc, si je fais vendre tout. Très bien. Pas mal. C'est tout. Ah, il y a des camps différents. Compris. Ok. Oh, et arrivé au max, on a des récompenses. À plus alors. Ouais, ok. D'accord, c'est intéressant. C'est pour ça que quand j'avais tué un mort-vivant... Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Oh, il s'est vénère. Très bien. Des drifters dans la montagne. Fini à 100%, ça c'est plutôt cool. Le camp de Copland, plus 1000 de confiance, arrive à 5000, il se passe quelque chose, d'accord? Il y a sûrement une récompense ou autre. Évirée imminente, 33%. Objectif, Boozer et moi, on ne pourra pas continuer vers le nord tant que cette moto ne sera pas réparée, évidemment. Très bien. Triangle, scénario, déchirure, je ne comprends rien. C'est ce qu'on a fait. Et on continue. D'accord, c'est pour savoir où on en est un petit peu dans l'avancement du scénario. Ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Bon! On va prendre la moto pour l'instant. On va continuer la quête. Rien ne sert d'aller plus loin. Oh! Yes! Des compétences, arbre de compétences, ça je savais pas. Carte et objectif. Ah bah voilà, c'est fait. Glisser vers la droite ou appuyer sur R1 pour afficher les cartes. Vous pouvez sélectionner un objectif. C'est bon ça. Compétences, aller vers le bas. Ou R1 encore une fois, très bien. On n'a pas vu la carte comme ça. Et inventaire, c'est vers la gauche. Et il y a énormément de choses. Très bien. Très très bien. Bon bah le temps qu'on prenne tout ça en main. Donc voilà ce qu'on a vu. Le reste c'est un brouillard de guerre, c'est comme ça que ça s'appelle. Et... Ok. Ok, je sais pas si je peux aller encore. Très bien. Pluie battante, 735 jours écoulés. Et il est 8h du soir, donc 20h. Très très bien. Bon! C'est pas mal du tout. Dérapage, tout en accélérant, appuyez sur rond pour faire un dérapage. Les gars, je vais perdre la moitié des touches, ça va être terrible. C'est pas tout. Hop, compétence. Nous avons niveau de compétence 2, 1 point de compétence. Combat en mêlée, combat à distance, survie.
paraît pas mal la survie, hein. Vous me connaissez, j'aime bien améliorer la survie. Le sens du détail augmente la durée d'affichage des icônes en mode survie. Rookie, ok, très bien. Œil de lynx, les plantes s'affichent sur la minimap. Et vous donne une chance de récupérer certains carreaux tirés avec l'arbalète. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En combat mêlé. Permet de tuer un ennemi plus petit après avoir échappé à leur prise. D'accord. Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille. Bricolage, ça me paraît pas mal. À mon avis, ça me paraît important à l'avenir. Augmente la récupération initiale et la durée du cocktail d'endurance. Distance, capacité active. Activez la concentration quand vous visez avec une arme à projectile. Ah, tir concentré, c'est pas mal. Améliore votre précision quand vous visez avec une arme à projectile en vous déplaçant. Capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants. C'est incroyable. Tout m'a l'air très intéressant en vrai. Je prendrais bien un peu de tir concentré. Hop, on va prendre tir concentré pour le moment. Ça me paraît pas mal. Pendant que vous visez avec L2, appuyez sur R3 pour activer la concentration. Le temps va ralentir momentanément, ce qui vous permettra de réussir des tirs plus précis. La durée de la concentration peut être allongée grâce aux améliorations de compétences et aux injecteurs du Nero que vous pourrez trouver au checkpoint du Nero. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que Bowser, c'est. Très bien. Là. Ouais, Dick. Comment ça va? Le jeu est beau. Toi. Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. D'accord, c'est ok, bien pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il n'y a personne dans le coin. Non, Bowser, non! T'es brûlé au 3ème degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Ouais? Je dirais pas non, hein, le truc. Ouais, si tu m'étonnes. Ah. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. C'est là. Le checkpoint du Nero, faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Hop, on s'en va. Hein. Ah, c'était super, hein. Ah! Se battre ou fuir, parfois, mieux vaut prendre ses jambes à son cou. Si vous avez assez d'endurance, appuyez sur L3 pour sprinter. Bah ouais. Bah ouais, j'ai déconné, mon pote. Comment on descend de cette bécane? Oh la con. Ok. Très bien. Les oreilles de mutant intéressent les collectionneurs. D'accord. Et comment je peux lui prendre son oreille à elle là? Pas encore compris ça. Bon. Les gars, je peux vous le dire que c'est la merde. Ok, il arrête de pleuvoir. Météo dynamique, ça fait plaisir. On apprécie. Je sens que ça va être pas évident le jeu, vraiment. Ok. On va faire gaffe un petit peu partout. Putain, je suis pas serein, les gars. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Ferme-la. Ok. Très sympa la concentration. Ah, c'était ça les oreilles! C'était ça les cartes, pardon! Générateur, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Yes, j'ai été bien nul. Il faut que je recharge. Ok. J'ai été bien dégueu, putain. On va se recrafter des carreaux. Aucun souci.
Bon, c'est là-dedans qu'on avait quelque chose d'intéressant. Fermé. Ah, c'est très chiant. Non. Non plus, c'est très très chiant toujours. Pas moyen. Oh, mais c'est vraiment pas de bol. Bingo, le voilà. Quoi ? Utilisez les bennes à ordures pour cacher des mutants. Ah merde ! J'ai pas regardé la bonne personne. Ok. Mais non, c'est le générateur. T'as intérêt de marcher, t'as de faire. Dégage, je suis à l'ouest. Là, ça va faire du bruit. Je trouve de l'essence. Oh putain, c'est pas vrai ! J'ai bien compris qu'il fallait de l'essence, mais attendez, je suis teubé à ce point ou quoi ? J'en ai de l'essence, non ? Attends. Ok. On va passer là-haut. Je l'entends. Headshot, mon pote. Ok. C'est quoi ça? Je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. Oh. D'accord. Au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'alerte. Bon. Je suis censé faire quoi, les gars, là? J'ai pas... Quelque chose que j'ai pas dû suivre. J'ai compris qu'il fallait de l'essence, mais les gars... J'en ai, normalement. On a quelque chose là-haut, qu'est-ce que c'est? Toi, tu vas bien me servir. Hop, une bouteille. Je prends, les gars. J'ai pas saisi, là. Faut que je ramène la moto? Ok. J'ai pas saisi. Catégorie pièce. Distraction. Jetable. Attends, je vais en fabriquer une. Ouais, j'ai bien utilisé du kérosène. J'ai pas pigé là, les gars. Je dois être débile, hein, vraiment. Hein. Faut peut-être une pompe à essence. Il y a bien ça pas très loin, je pense. Ah! Non, c'est pas ça. Il me faut pas du kérosène, il me faut de l'essence tout court. Ah, les jerrycans! Faut que je trouve un jerrycan. Très bien. Je pense, hein. Attendez. Il est peut-être temps d'utiliser le mode survie et de devenir intelligent. Très bien. Là, on a une barre de fer. Oh! Pied de chaise! J'ai pas pigé, là. Vraiment, je... On va continuer de fouiller un petit peu. Là, vraiment, j'ai un petit peu du mal à brancher le cerveau, là. Je dois être totalement débile. Parce que je comprends pas. Il y a un truc que je piche pas. Pourtant, on a bien fait les choses, hein. Qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, il faut un bidon rouge. Oh, ça, je prends. Pour moi, il faut un bidon rouge. La dépanneuse, peut-être, non? Ça me paraît être le plus logique. Ok, on a quelque chose. Ah, bah voilà! Très bien. Oh, les gars. Ah, ils auraient pu expliquer 2-3 petits trucs quand même, hein. Ok. On en avait bien besoin. Allez, vas-y, régale-moi. Ça y est. Non, ils auraient pu expliquer 2-3 petits trucs, vraiment. Là, sur le coup, c'était un peu confus. Mais peut-être qu'une astuce s'est affichée. Et ça va remuter tous les moutons à la ronde. Oh, les haut-parleurs. Où sont les haut-parleurs? Je les ai baisés. Oh, stérile. Où est-ce qu'ils ont fait ces trucs? Oh, j'ai pris choc le truc avec les haut-parleurs, les gars, je suis un monstre. Les bandages stériles. Puis ce que je cherchais. Oh, j'ai pré-shot les trucs, les gars. Il ne reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. J'ai été monstrueux, je crois. Tiens, salut. Il reste un haut-parleur. Injecteur du Nero. Vous trouverez des injecteurs dans les UMM des checkpoints du Nero. Utilisez-les pour augmenter votre santé, votre endurance ou votre concentration de façon
permanente et définitive. C'est quoi ce truc? Santé directe, hein. La technologie néon. Santé directe, hein, pour l'instant. Une espèce d'injecteur, peut-être. Voilà, mon pote, hein, 120 santé, hein, à la foutre, hein. Ça tombe bien, j'étais un peu patraque. Ah, mais le truc néon est insane, en vrai. Pourquoi pas? Casier d'armes! Incroyable. Ah! Ok. C'est là où il y a déjà toutes les armes. What? Et là, ça parle dans mon haut-parleur de manette, c'est quoi cette connerie? Ok. Attendez. Je déteste quand ça parle dans le haut-parleur de la manette, parce que déjà, vous entendez rien. Ah, on peut pas choisir. Peut-être dans affichage, non, pas du tout. Peut-être dans gameplay. Ah, on peut pas choisir. Ah, attraction, c'est l'aide à la visée, c'est désactivé. C'est bien, ça. C'est bien. Ah! Putain, le con! Ok! Loser, t'es là? Ma moto? Réponds-moi, merde! Qu'est-ce qui t'est passé? T'aurais dû te tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon... Allez, salut, mon pote! Putain. Merde, c'est derrière. Ok, on y retourne? Raccourci, les gars. Raccourci, mon gars, t'inquiète, hein. Bon, allez, aucun raccourci. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Wesh! Ils sautent sur la vécane au calme! C'est chaud! Sainte-Jean, c'est coupe. Tu seras à la tour. La liaison radio a été coupée. Je peux te payer pour la rétablir. Tu les connais, ces types, ou quoi? Parce que faire taire Radio Libre Oregon, ça me semble assez personnel. Tu m'étonnes que c'est personnel. C'est parti de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de voler, de violer, de tuer. Ah, je m'étonne, mon phare! Ah, peut-être qu'ils étaient juste comme moi, qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter des conneries de complotistes parano. Terminé. Ok, il y a des trucs, alors... Réellement, il y a des trucs vraiment pas mal qui me plaisent... Oh, dégage. Qui me plaisent beaucoup dans le jeu pour l'instant. Et j'ai hâte de voir si ça va être utilisé vraiment à bon escient. Et si, si à l'avenir, ça... Parce que là, météo dynamique... Les petits camps comme ça et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. A voir ce que ça va donner. A voir ce que ça va donner. Les balades à moto aussi, ça peut être très sympa. Ça peut devenir très sympa. Donc à voir. Bon, voilà, les gars, on va profiter pour. Ok. Sauvegarde à la moto. Pour faire une sauvegarde rapide, maintenez triangle à proximité de votre moto. L'opération ne fonctionne pas durant les combats et les missions. Donc, ouais, on va save, les gars. C'est quoi, Roux? Je peux arranger ça. Ouais, ça va tenir. Oh, pas mal! Et là, normalement... Attends. Si j'ai bien compris... J'ai mal compris, j'ai très mal compris. Non, ok. Bon, bref. Et on va pas se prendre la tête, on va faire une sauvegarde classique en haut. Aucun souci, allez, on va lui apporter tout de suite les bandages! Et on va s'arrêter là. Très sympa. J'aime beaucoup, même si j'ai galéré pour l'essence. Ah, allez, vas-y, hein, Deacon. Eh, dis pas. Boozer, pas cette fois. J'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer? Merde. Boozer? Eh hey. Oh oh. Putain. Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Bon, montre-moi ton bras, d'accord? Non. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère. Hey. Putain. Hey, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord? Ça va aller. C'est ça, la fraternité, les amis. T'aurais dû te tirer. C'est ça, la fraternité, les amis. Et le camp de Copland, on gagne encore 750 de confiance. C'est mon frère, et il y a beaucoup de scénarios. Ça fait plaisir, il y a beaucoup de choses à voir pour la suite. Localiser le camp ennemi de la tour radio de la cascade quand on crève de faim. On ira, c'est à 400 mètres, on ira, prochaine vidéo. J'espère cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.